Attention, les crash tests de cette vidéo sont réalisés par des professionnels et effectués avec des véhicules hors d'usage qui auraient été détruits dans tous les cas. Pour votre sécurité et celle de votre entourage, n'essayez surtout pas de les reproduire. Mais c'est pas du mastic, c'est... Cette vidéo, aujourd'hui on pète un rafale. Oui, non, on va pas péter non, la rafale. Non. On va péter la voiture dans laquelle on est. Et cette voiture, tu la connais. Non, j'ai pas le droit de péter la voiture avec laquelle je roule quasiment un peu tous les jours, Pascal. Quoi? On va déjà péter la voiture que tu as achetée? Bah oui. C'est le même modèle. C'est une Peugeot 306. Mais celle-là, c'est une phase 3. Waouh, une phase 3. Bah allez, allez-y, c'est parti. Incendiage et tout ça. Vous n'avez pas le droit de péter une 306, ouais. Ça y est. Je te rassure, j'en ai une, moi aussi j'aimerais ne pas la péter. Il la pètera pas, je vous rassure. J'ai pas le choix. C'est moi qui la pèterai à Noël. Mais bon, alors attendez. Vu qu'on est dedans, on sort pas. Petite dédicace à mon poteau Bastien qui a exactement la même, pas la même couleur. Bon, lui c'est une 3 portes, donc c'est la même, pas la même. Mais c'est le même moteur, c'est un HDI. Un HDI? Oui, regarde, un HDI. Bon, déjà le volant il est bien moisi. Déjà démarre. Par contre, combien de kilomètres elle a celle-ci? Je crois qu'elle a un peu des bornes, on va dire. 1916 kilomètres. C'est dur hein, quand c'est comme ça. Hein. Ouais, c'est dur. Hein. Ah, par contre, elle a un voyant moteur, un voyant airbag. Donc, bon, l'intérieur. Normalement, il devrait sortir. Assez propre. Si elle par contre, toi, propre. Hop, attention. Hop là. Ça, c'est du craquage. Oh, coucou. Hop là. Facile, hein, quand même. Hein. Oh, donc, regarde toi. T'as vu la fermeture, regarde. Ah, ben. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Oh, regarde! Ni clou ni vis. Faut voir dans le. Oh, t'as rentré le poste trop loin, je pense. Hein? C'est sûr que là, personne va te le voler. Bon, allez, on referme. Wow, qu'est-ce que c'est? Une pince qui bouge plus. Ah, ça, c'est... Elle est figée dans figée le temps. Dans... C'est exactement ça. Elle est belle? Elle est même peut-être un peu plus belle que la mienne. Par contre, le capot, il est dans le même état. Voilà pourquoi elle a été jetée. Oh, mais ah, les pneus sont neufs. Eh, mais les pneus sont neufs. Ah, là aussi, il y a un petit shoot. Le gars, il a changé les pneus, il l'a emmené à la casse. Non, mais vraiment neuf. Ah non, pas neuf. Non. Ça, c'est pas neuf, ça, tu vois. C'est pas bon, ça, c'est danger. Enceinte arrière d'origine sur le 306. Chinois. Tu vois bon. D'origine, ah oui, c'est il y avait les enceintes arrière. Tu prends, tu la branches ici, là. Hop là. Ah, c'était une voiture de personne âgée. Pourquoi personne âgée? Non, une personne qui voulait pas qu'on lui vole sa voiture. Parce que nous, on met plus les pneus. Et alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Oh, un cric! Un kit de démarrage de voiture. Ah oui, c'était une personne âgée, parce que regarde, quand tu vois des rabanes comme ça. Du lino. Oh, il y a encore de la colle ni clou ni vis, c'est quoi ça? Ça, c'est... Efface rayure. Non, il y a une grosse rayure devant. Là, ah, on va voir si ça marche. Ouais. J'ai pas de chiffon. Ah, j'ai du chiffon. Un chiffon, ça, y a pas un tapis, Pascal? Mais non. Ça, c'est pour étaler. Mais c'est pas du mastic, c'est de l'efface rayure, normalement. N'empêche, regarde, on voit plus la rayure. Ça, mets là, hein, ça marche sur les feux? Quelques jours plus tard. Non. Bon, je te laisse te terminer. Et là, ça marche aussi? Ah non, il manque la peinture. Hein. Bah, il faut que tu en mettes beaucoup. Voilà. Allez, on va trouver une voiture, là, parce que là, tu Il n'y a pas de tapis, on a dit. Tu me fais perdre du temps. Même pas essuyer la connerie que j'ai fait. Bon, on va chercher une voiture. Elle était où? C'est tout moisi, ça. Qu'est-ce que tu veux prendre, ça? C'est dégueulasse. Oh, ça, c'est beau, ça. Ça, c'est bien. 2 litres HDI. Toi, tu sais déjà, 2 litres HDI, sans la toucher, tu sais que c'est 2 litres HDI. Bah, parce que je sais lire. Bon. Il est nul. Fais voir. Si moi je pète la 306, c'est toi qui pète la Xantia. Ah, alors. Écoute-moi. Je sais que t'aimes beaucoup les Xantia. Ah, mais les Xantia, j'adore. T'en as pas eu de Xantia, toi? Non, mais par contre, j'en ai cassé beaucoup.
pour ça que j'adore. Mais elle, elle est particulièrement bonne état. Non, mais elle est propre, regarde. Tu veux pas qu'on me demande si on peut la casser avant de... Elle est là. À moins qu'il y ait un mec qui est venu se garer là. Que le casseur... Oh, 0 km, elle est... Ah non, 176 500... 176 000, c'est-à-dire presque la moitié de la tienne. Elle c'est pollue. Bon, elle est dépolluée, comme on dit. Ah ben voilà. Un vrai char d'assaut. Attends, est-ce que les sphères, elles marchent? Mets-la en 4x4. Ça, c'est pour aller dans le désert. Low rider. Ouais. Et elle va sauter comme ça, tu vois. Non, elle sautera demain. Elle s'arrête plus. Elle va tomber, t'es où? Accélère encore, encore. Ah, ça y est, on est embuté. C'est haut. Tu veux pas essayer de taper comme ça? Ouais, non, à mon avis, elle va faire ça, elle va sautiller. Bon, alors, dedans. Bon, oh. Oh, véhicule non fumeur, messieurs, dames. Voilà. Enfin, non fumeur là, mais par contre, l'échappement, lui, fume. Ah bah, c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont jeté. Bon, après, ça, à mon avis, c'est une reprise. Hein. Ils ont beaucoup de reprises ici. Oh, regarde, le tapis de sol Xantia. Tu vois une putain, ils sont tellement longs, les parcelles, ils se touchent. Ouais. Oh non. Vous voyez mais Pascal essaye de me casser dans la tête. Ah, quand même. Ah, voilà. Et bah, voilà. Parfait. Mais parce que t'as commencé à faire n'importe quoi aussi, là. Tu vois, je vais tout me prendre dans la gueule. Ah, voilà, ça y est. Il s'est cassé. Mmh, il fait froid en plus. Bon, écoute, moi, je trouve qu'elle est pas mal. Bon, l'intérieur, bon, il a l'âge de la voiture, je sais ouais, pas de quelle année elle est. Ouais, mais je trouve propre, hein. Ah bah, c'est une voiture qui a 23 ans. Un tu peu vois, délavée, elle... mais propre. Eh ben écoute, moi, je te propose qu'on prépare ça, parce qu'il y a un petit peu de boulot, quand même, mine de rien. Hein. On rigole, mais il y a du travail. On y va. Allez, au travail. On t'a pas montré le moteur, on a oublié. Ah bah oui, c'est vrai. Oh, ouais, on sait que c'est un 2 litres HDI. Là où elle est, l'ouverturation. Oui, mais elle moi, est là. De HDI. Oh putain, j'y arrive même pas. Ah, sans déconner. C'est ouf. Bon. Elle est belle quand même, hein. Franchement, elle est propre. Oh. Oh, Citroën. Vous pouvez mettre des sphères, mais vous pouvez aussi mettre des vélins, merde. Mais attends, ils peuvent pas tout mettre, regarde, la sphère, elle est là. Bon, ça, c'est la sphère. Donc, dedans, on a du LHM. Mais on sent pas les couilles. Exactement. Par contre, regarde, il y a tous les caches d'origine. Exactement. C'est incroyable. C'est propre. Hein. C'est là-dedans, le LHM? Oui. Et à quoi ça sert, ce petit truc-là, pas beau? Ça, c'est un voyant. C'est un voyant? C'est-à-dire, quand c'est en haut, ça veut dire que t'es pas au niveau. Donc là, ça veut dire, on n'est pas au niveau. On doit être entre les deux. Mais comme on l'a monté, peut-être, à mon avis... Non, non, touche pas, ça y est, il va me la casser, tu vas voir. N'oublie pas, pas de LHM, pas de direction assistée, pas de machin, comme sur notre DS. Ah bon? Ils ont pas évolué? Ils sont restés toujours aussi cons? Je pense. Après, je dis peut-être des conneries, hein, parce que moi, non, les Citroën, je connais pas, hein, à part mais pour non, les casser. Ils ont mis du liquide de DA quand même, ils ont pas tout refait pareil. Non, je pense. Bon, c'est quoi? On va la casser. Oh, regarde, il y a un petit bouton. Peut-être que demain, on appuiera dessus. Clic. Ça y est, elle est en panne. Allez, on y va. Bon, là, tu sais, souvent, les enjoliveurs, ils se barrent sur la route et ils te doublent. Donc, Citroën, ils ont trouvé une alternative à ce problème-là. Les enjoliveurs, ils sont vissés avec la roue. Non. Mais nous, on n'aime pas les enjoliveurs. On trouve que c'est pas bon. On préfère peindre les roues, c'est plus joli. Donc là, tu as deux techniques. Tu as sa technique et tu as ma technique. On va te présenter les deux techniques d'un coup. Parce comme ça, c'est plus simple. Est-ce qu'on commence par la tienne? Oh, on commence par la tienne. La mienne? Oui, j'ai le temps d'aller boire un café. Alors, il y a une technique très bien, Pascal, mais elle est un peu longue, je trouve. Le démonte enjoliveur. C'est un démonte enjoliveur. Madine Dragoto. Ben voilà. Regarde. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Et voilà. Et la tienne maintenant? Alors, est-ce que c'est plus rapide avec la mienne? La mienne est un peu différente. Parce que moi, j'aime pas trop taper sur, avec le marteau. Hop. Je me suis fait avoir. Mais non, t'es nul, c'est sur les Fiat que c'est de la merde ou que c'est pris un sandwich. Non, mais là aussi. Non, mais là, quand c'est... tu forces, ça s'enlève. Allez, on fait l'autre côté. Bye. Faites en même temps. Allez-y. Laissez un peu d'avance. Voilà, quand t'as besoin, tu nous appelles. Le poids exact qu'il faut pour serrer une roue. C'est-à-dire 7 kilos. Dieu existe. Qu'est-ce qui t'arrive? Ben, c'est rien. Soit moi je suis bourré, soit il y a vraiment un problème d'alignement de capot. Oui, il y a un petit problème. Attends, comment qu'on fait ça? Chez Dacia? Aide-moi. Vas-y. Bon, à ma manière. Tiens, moi ça. Oui. Ah,
C'est mieux. Bah, voilà, ça ferme au moins, c'est déjà un peu mieux. Ah, mais voilà pourquoi. Oui, c'est un peu cassé, mais faut. Mais. Ah oh là là, laisse comme ça, voyons, faut pas dire que c'est cassé aux gens après. J'ai l'impression que c'est de pire en pire, Pascal. Ah, c'était ça. Parfait, regarde. Alignage d'usine. Après, je crois que je vais devoir rester là. T'es usineur du coup, c'est ça? Je sais tout usiner, je rectifie, je trafique, je... Voilà, le résultat, ça marche. J'y vais? Vas-y, casse-toi la gueule. C'est rigolo, hein? C'est vraiment pas costaud, 306, hein? Attends, j'ai dit, bouge pas. Bah, il aurait pu faire comme ça. Et tu fais toujours à la disqueuse. J'ai cru qu'il allait me le lancer dans la gueule. Oui. Ça, c'est le travail d'un enfant. Il finit jamais ce qu'il fait. Là, c'est fini. C'est propre. Alors, avec Kevin, on s'est amusé à la mettre en position haute. Et regardez voilà, comme ça saute. Voilà comment ça saute. Là, tu roules à fond, là, tu décolles. Ah, bah ouais, c'est fait pour. On va péter la remplaçante de la Peugeot 309, qui est donc la Peugeot 306. La nôtre est une phase 3, 5 portes. Elle hérite dignement de la plateforme et de pas mal de pièces, d'ailleurs de la Citroën ZX. Elle est propulsée par un moteur 2 litres HDI de 90 chevaux. Et comme Kevin en a une, eh ben c'est forcément lui qui va la péter. Allez, c'est parti! Go! Bon, je vais placer la GoPro, je pense, juste non, ici. Non, ça, viens, 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 viens. Quoi? Il y a une hache dans le scooter. Non, arrête! C'est sûr que c'est vrai. Regarde. Tu te fous de ma gueule. Mais non, c'est vrai, bon, on la laisse. Excellent. Si jamais ça blesse quelqu'un. Même pour un petit trajet, même sur le. J'ai peur, j'écoute les vitres, marchez pas. J'ai baissé la vitre passager en bas, marche pas. Ouf. Tu vois, des fois on fait des conneries, on ne sait pas. Mais t'as vu, elle a moisi un peu. Si, si, j'avais vu qu'elle était moisie. C'est pour ça que je l'ai pas pris. Le dans le nez. Là, volontairement, j'en ai pas eu. Ça pue. Allez, on y va, on s'équipe. Avant que j'y aille, hein, je te propose d'aller t'abonner. Et si t'aimes bien, bah comme d'hab, un petit pouce. Et un petit commentaire aussi, n'hésite pas. Wouhou! Allez, c'est parti, on y va. Il a tapé, mais en tout cas, c'est pas. Ah, tu t'es pris tout dans la gueule, j'avais pas vu. Les airbags. C'est bien, t'as vu? Même pas, cela. Bah, c'est, ouais, c'est des trucs qui me plaît. Bon, allez, sors. Eh oh, ma 306, c'est pas une poubelle, hein? Comment ça, c'est pas une poubelle? C'est une voiture. C'était une voiture. Bon, alors, l'avant, il est beau. Déjà? Alors, ben, j'ai pété un feu, j'ai arraché une calandre. Eh ben, ce côté-là, moi, j'ai l'impression qu'il a rien, ouais, surtout, hein. C'était un scooter après, hein. J'ai pas tapé un bus. Hein. Écoute, on va regarder. Alors des 306 rentrés dans des voitures, on en a déjà vu, mais dans des scooters, rarement. Mais qu'est-ce que c'est? Ah, j'ai cru que t'avais été suivi sur le mannequin, j'ai dit mais il est con ou quoi? Et alors je sais pas ce que c'est, parce que c'est... J'ai vu c'est le scooter. Ah, c'est de l'huile de foot. C'est de la... Hippone fraise. Ah, hippone fraise, voilà, c'est ça. Mais alors, niveau moteur, ben, moi, ça, dis, ça, ça a rien, y a c'est une 306. Il n'y a rien, il n'y a rien. Même pas les ventilos abîmés, chef. Il n'y a rien du tout. Même voilà, rien. On a une grosse traverse en acier là qui n'a pas bougé. Même pas un radiateur. Non, elle n'est même pas pliée, pas de radiateur, pas de ventilateur. Regarde, il y a une patte cassée ici, c'est tout ce qu'on peut dire. Tu changes ton pare-brise et t'es reparti. Bon, le pare-brise, faut quand même 846 balles. Hein, parce... Combien 846 balles, hein, puisque j'ai cassé le mien. Oui, c'est vrai. Ça vaut cher, hein, sachant que moi, la voiture, j'ai acheté 900 balles. Oui. Mais tu peux garder ta 306 après avoir tué quelqu'un. Du coup, non, parce que bah, tu vas en prison. Oui, oui. Hein, voilà. Oh là là, la mandale. Sur ce premier choc, en tout cas, c'était top. Allez, on passe au deuxième.
Bon, tu vas voir une scène qu'on n'était pas censé mettre sur YouTube, hein, mais on était obligé là, hein, parce que tu nous as vu, hein, on rigole, machin, on dirait que c'est simple, hein, on est cascadeurs, mais des fois, hein, ça passe pas loin et c'est risqué. Hein. Ouais, c'est assez compliqué. Là, vous allez voir que c'est vraiment pas passé loin du tout, puisque là, pratiquement le mannequin nous touche. Donc, soyez prudents, vous aussi, sur la route, comme nous, on peut l'être quand on fait nos cascades. Regardez. Bien, mais il était très très fort. Waouh! Waouh! Tu savais, toi, que le nom Xanthia a apparemment été emprunté au grec ancien qui signifie jaune, jaunâtre, puis dans la littérature grecque blond, comme la chevelure d'Achille? Tu savais? Non? On s'en fout, hein? Oui, on en a rien à foutre. Bon, la Citroën Xanthia a remplacé la BX et elle est équipée, comme tu l'as vu, de la suspension hydropneumatique. Notre version est équipée du moteur 2 litres HDI de 109 chevaux. Et on va voir comment va résister la Peugeot 306 face à ce monstre qu'est la Xanthia. Allez, c'est parti, on la pète. Bon, on se trouve dans une Xanthia. Alors là, la Xanthia, j'aime bien, là. 2 litres HDI, sauf que là, on va aller percuter une 306 HDI. Un véhicule qui est relativement lourd également. Ça va être assez violent, croyez-moi. Est-ce que les airbags vont sortir ou pas? Franchement, je ne sais pas. Encore une fois, on le répète, n'oubliez pas de vous abonner, les amis. Hein? Vous vous abonnez, vous likez, vous partagez. Enfin, voilà quoi. Hein? Comme d'habitude, mais ça, vous le savez. Enfin, sauf pour les nouveaux. On y va? 50 km/h. T'es prêt, toi? Putain, je me suis défoncé la main. Oh, les airbags. Alors, vous pouvez vous rapprocher. Oh, tu en as foutu partout, Pascal. Arrête, c'est rien, c'est juste un coup de balai, c'est rien ça. De toute façon, tu soulèves le goudron, tu mets tout sur la moquette comme à la maison. Voilà, allez, hop. Bon, en tout cas, là, on voit bien le renfort de 306, regarde. Il a exactement la marque du renfort de la 306. On le montre pas de suite. Non, non, la 306, on la verra. Ah, c'est trop beau. On la verra. Bon, je parle bien la France. Hein. Moi, en tout cas, je suis super content. Elle tient la gueule. Hein. Je crois que tu as rarement pillé une Xanthia aussi fort. Alors, hein. Je te cache pas, même je l'ai dit avant de partir, que je n'étais pas très très fier quand même, parce que je savais qu'elle a un problème d'amortisseur. Ouais, c'est censé ne pas bouger. Une Xanthia, les sphères, elles sont fatiguées. Moi, une, la tête, elle allait au plafond, si j'avais pas le harnais, hein, je te le dis. Oh non, mais ce carnage. Regarde, il est en train d'arracher. Oh, je suis en train de me couper bientôt. En fait, c'est... Bon, au niveau moteur, elle a rien. Je pense que les longeons sont même pas guidés là, je pense que tout est mort. Oh putain, mais non, d'accord, j'ai compris. C'est sous la traverse, ouais. Mais oui, t'es sous la traverse, ouais. Tiens ça, je vais te l'ouvrir, moi, si ouais, tu veux. Ouais, vas-y, fais l'ouvration. Ouais, ben voilà, proprement. Ah. Ben on a vers le capot pour rien. Quoi? Parce que, ben y'a rien à voir dessous. Regarde, y'a des plastiques partout, etc. Qu'est-ce qu'on peut dire? Bah, je vois que le longeron, bah, il tire la gueule un peu. Hein. Il est par terre, donc forcément, c'est même pas la peine d'aller voir. Tu le vois là, hein. Il descend. Il est éclaté vers le bas. Oh là là, le pauvre. Oh, et ce côté, ça va plutôt bien. Oh, il y a de l'acide de batterie, mais non. Bon, bah, je pense que tu as tué la Xanthia. Je crois qu'elle est morte. Mais morte, ça veut morte, dire hein. Que jamais elle redémarre, hein, normalement. Bah, tu peux essayer, hein. Essayons, mais essayons. Si on essaye de suite. Et comme ça, écoute, au moins, on est fixé. Regarde. Ah, je lui ai niqué un doigt en début de semaine et il se nique le deuxième en fin de semaine. Et voilà, non, je me suis niqué au même endroit. Ah, c'est bien. En tirant le capot, regarde, il y a du sang partout, ça veut dire que le choc est extrêmement violent. Donc tu en profites. Quand t'as un airbag, tu peux t'essuyer, regarde. Regarde, je m'essuie. Et imagine à la casse, ils vont voir arriver la voiture et ah dire. Non, il est mort. Il s'est blessé ce con. Non, non, pas du tout, je m'essuie. Ce qui me plaît, c'est klaxonner. Quel enfant. Ah, écoute, ça me plaît. Bon alors, est-ce qu'elle démarre? Bon, on essaye.
Alors, attends. Il a pas fait un gros clic, hein. Ah. Mais non, me dis pas que j'ai cassé la Xantia. Il a cassé une Xantia. Je suis désolé, je vais encore me faire engueuler. Je suis désolé, je pensais que ça passait. Bon, l'airbag, il est allé jusqu'à dans ma tête. C'est-à-dire que je l'avais dans le casque. Ah ouais, ouais. Tu vois, Xantia, c'est bien. Tu ranges tout ça là-dedans. Et voilà, c'est bon, c'est neuf. Bon. Justement, ma 306. Est-ce qu'elle démarre, ta 306? Ma 306. Bah attends, avant, on va montrer. Oh, c'est beau quand même. Non, mais il y a du travail. Il y a de l'art, tu vois. Il y a de l'art. Tu vois, cette partie-là, là, correspond exactement à la trace du capot qu'elle a. Ah, c'est cette partie-là est venue directement ici. Et à mon avis, tu vois, elle était un peu en travers parce que t'as beaucoup plus défoncé ça que ça. Donc pour toi, le choc a dû être ouais, bien sec. Il était ralenti. J'allais dire, c'est quoi ça? Ben, c'est des bas de caisse en plastique. D'accord. C'est des sur-bas de caisse. Ouais, ils se sont un peu découpés, les sur-baskets. Moi, si tu arrives à l'ouvrir, on passe les vacances à Lourdes, ça c'est sûr. Alors on a mis ça parce qu'il s'est éclaté la tronche dans la GoPro tout à l'heure, c'est dommage qu'elle était animée. Je sais même pas quoi te dire tellement elle est morte. Bah écoute, elle est morte. Hein ouais, bah, elle est fracassée. Il n'y a rien à dire à part que ça s'est enfoncé. Tiens, ouvre le coffre un peu qu'on voit dedans un peu ce que mais ça c'est pas possible, plus rien ne s'ouvre. Oh, mais non, regarde un peu en dedans fait, comme c'est beau. J'ai essayé d'ouvrir pour la GoPro. Ah merde, bah, vas-y, tire la cheminée. Ah oui, c'est juste ça. Bah oui, ouais. Oh, 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 oh. Ah voilà, il s'ouvre quand même le coffre. Bon là, il y a un sacré enfonçage quand même. Hein. Ah, parfait. J'avais besoin d'un panneau de porte. Il y a une petite enfonçation. Regarde la porte. Donc, ils sont comment les renforts là-dedans là, il y en a pas. Peugeot, vous avez oublié quelque chose. Hein. Bon, en tout cas, la déformation, elle est énorme. Oh, putain, démonté regarde. Propre. Oh, regarde jusqu'où ça a plié. Non mais regarde jusqu'où ça a plié. Ça a plié jusqu'au milieu là. Le compteur est Il est même plus en face. Enfin, c'est un carnage. Non, parce qu'on l'a pas vu, mais voilà, guette la taille de l'airbag quand même. Hein. Il est gros. Alors, hop. J'aimerais trop qu'elle démarre. Parce qu'au moins une sur les deux HDI. Hein. Eh ben voilà, mon gars. Alors, voilà. Allez, je rentre à Marseille. Ben voilà. Non, mais regardez ces chiffons. Elle roule encore mieux qu'avant. Ben largement, elle tourne toute seule maintenant. En plus, regarde, hop. C'est ça qu'on appelle une monoplace, parce que certains ne comprennent pas trop. Alors par contre, vraiment, hein, sans blague, je rigole pas. Hein. Ouais. Et on pourra le voir avec ma GoPro intérieure, il y avait un voyant moteur depuis qu'on avait. Ouais. Je te jure, il n'y est plus. Attends. Ah, non, je te jure, non, il n'y est plus. Il n'y est plus? Il n'y a plus. Eh ben tu vois. Tu as réparé le moteur. Je te le dis. Comme quoi, si t'as un voyant moteur dans ta 306, fais-toi rentrer violemment dans les portes à 50. J'ai bien vu on que a vu, on a vu que j'ai coupé la voiture et qu'elle s'est éteinte après. Après. Attends. Je simule la roulation. Bon. Viens Pascal, monte à l'arrière. Tu veux que je monte à l'arrière? Ah bah oui quand même. En attendant, tu donnes une note de combien? Ah, j'aime bien les 306, hein, j'en ai une. Bah oui, c'est vrai. Oui, mais enfin là maintenant, hein, tu sais comment ça plie. Je m'en fous, les airbags ils sont sortis, c'est une voiture que j'aime, ça sera un 10. Wow, le mytho, arrête, un mytho. Non, non, la seule voiture qui a eu 10 sur 10, tu sais laquelle que c'est. Non, je lui mets 10 quand même. Non, c'est moi qui décide. Ah, moi, regarde la gueule qu'elle a, j'y mets 2. Bah ouais, ça fonctionne, elle ne démarre plus. Elle s'est bien comportée, hormis le système d'amortisseur hydraulique que je supporte pas et... Mais c'était compliqué pour moi, mais j'y mets un 6. Voilà. Un 6. Ouais. Bon, allez, on y va. On ramène tout ça. Vous avez besoin d'un coup de main, monsieur? Ça t'embête de me remonter jusqu'en haut? Pas du tout. Voilà, on peut toujours lui faire confiance pour ça. Ah, bah tu vois qu'elle marche. Bon, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Parce que nous, ça nous a plu, en tout cas. Ouh là là, Pascal a l'air inquiet, quand même. Bah oui, ah, bon, voilà. Bah moi, je te dis à vendredi prochain. Pour une autre vidéo pleine de surprises, pleine de casses. Bah en tout cas, à bientôt. Monsieur, qu'est-ce que vous faites encore? Bah je vous file un coup de main moi. Ah bah merci. Bon ben. Allez, ciao. Vendredi 18h. À vendredi.